Je voudrais d'abord qu'il me soit permis de transmettre mes souhaits de bonne fête de l'indépendance à toute la population de la région de Ziguinchor et particulièrement aux forces de défense et de sécurité qui nous ont gratifié ce matin de cette belle prestation. Cette année, comme nous le savons, cette fête nationale est frappé du sceau de la sobriété après l'accession à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhare Faye, à qui nous réitérons toutes nos félicitations et nos souhaits de réussite à la tête de ce pays. Cette année, le thème de cette commémoration et forces de défense, les forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale. Hier, à l'occasion de son adresse à la nation, M. le chef de l'État a marqué sa volonté de faire en sorte que cet ingrédient précieux dont nous disposons soit considérablement renforcé. Parce que nous savons tous que c'est dans la cohésion sociale, dans la paix, dans la stabilité qu'on peut asseoir le développement d'un pays. Et le discours qu'il a prononcé hier ouvre une ère nouvelle d'espoir et de progrès. Et c'est le lieu pour moi d'inviter toute la population de la région de Ziguinchor à s'approprier le contenu de ce message. L'invite surtout qu'il a fait à l'endroit de toutes les filles et de tous les fils de la nation pour qu'on se remette au travail. Parce que il est clair que nous tous, nous devons nous ceindre les reins pour réaliser l'aspiration de développement de notre pays. Le thème, vous le savez, est extrêmement d'actualité parce que nous sortons de quelques mois marqués par des soubresauts qui ont engendré des violences et malheureusement des pertes en vies humaines, et c'est l'occasion pour nous de nous incliner pieusement devant la mémoire des disparus et dire que le souvenir de leur sacrifice ne doit pas être vain. Ici, dans la région de Ziguinchor, les défis restent encore immenses. Il s'agira, dans le cadre de cette nouvelle ère, de parachever particulièrement le processus de paix qui, comme nous le savons, a franchi des pas significatifs avec bien entendu l'accord historique de Mongon, suivi par une cérémonie d'incinération des armes. Et ce processus doit s'amplifier et toucher toutes les factions. Et le gouvernement s'y attellera. Également, comme défi dans cette région, bien entendu, une fois que cette paix, ingrédient indispensable, sera au rendez-vous, il s'agira de développer davantage certaines localités à travers la réalisation d'infrastructures de mobilité, notamment dans la partie nord du département de Bignana. Et je voudrais saisir cette opportunité pour annoncer que dans les prochaines semaines, nous tiendrons un CRD spécial consacré aux réalisations d'infrastructures structurantes, l'occasion pour nous de mettre en lumière ce que l'État a déjà fait et parmi lesquels nous pouvons compter la boucle des Kalounaïs, la boucle du Blouf et les ponts de Baïla, les ponts de Djibidjon. Bien entendu, l'occasion sera également saisie
pour recueillir les attentes des populations, particulièrement des élus, en termes de pistes nouvelles à faire, en termes de routes à réhabiliter. Et Dieu sait que dans la région, bien entendu, les besoins sont immenses. Je n'oublie pas, dans le cadre de ces infrastructures de mobilité, le second pont de Ziguinchor. Également, il est important, et d'ailleurs le président de la République l'a dit hier, il faut que tout le potentiel agricole du Sénégal, et particulièrement de la région de Ziguinchor, soit valorisé. Et dans ce sens, nous avons déjà entamé un travail avec les services du ministère en charge de l'agriculture pour que les zones jadis utilisées comme terres de culture du chanvre indien puissent être valorisées à travers des cultures de substitution et offrir ainsi aux jeunes des opportunités d'emploi décent. Et bien évidemment, cela passe par le renforcement de l'équipement agricole, cela passe par la récupération des terres salées. Et je pense qu'ensemble, nous allons œuvrer pour que cet objectif soit atteint. Dans les défis, bien évidemment, nous devons également compter la lutte inlassable que nous devons mener contre toutes les formes de trafic. Bien évidemment, il y a le trafic de drogue. Et de ce point de vue, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour le travail extrêmement important et les progrès obtenus. Et également, toujours dans le cadre de ces défis, il y a la protection de la nature et de notre biodiversité. Nous savons tous que la coupe du bois se poursuit toujours. Je pense que c'est un fléau qui mérite d'être combattu parce que nous sommes en train de vivre de plein fouet les conséquences de cette déforestation. Et d'ailleurs, dans les défis, il y a nécessairement l'impérieuse lutte contre l'avancée du trait de côte qui, comme nous le savons, est en train de menacer dangereusement des infrastructures vitales dans le cadre économique. Je pense notamment au quai de pêche de Kafountine et d'autres localités qui sont menacées par l'érosion côtière. Je voudrais également profiter de cette occasion pour inviter la jeunesse, force vive de notre région, à se remobiliser, à se remettre au travail et surtout à développer un esprit citoyen. Parce que ce pays nous appartient, cette région nous appartient tous, et nous tous, nous devons œuvrer pour sa sauvegarde, pour son progrès économique. Je voudrais enfin prier le bon Dieu pour que les personnes qui étaient là l'année dernière avec nous, célébrant cette fête nationale et qui ont été arrachés à notre affection, que Dieu puisse les accueillir dans son paradis éternel et que la paix et la concorde continuent à régner dans cette belle région naturelle et généreuse qu'est celle de Ziguinchor et de façon générale dans l'ensemble du pays. I'm going to tell you.